Salut les gamers et futurs déconfinés, donc c'est Brez Red Fox, donc on va bientôt terminer la campagne de Gain Earth, donc là on a cette mission à faire. Donc Jess contre Maverick. Maverick, quel but est là? Pourquoi est-il? Il est censé mettre au point exécution autre part. Il dit qu'il veut te parler de quelque chose. Très bien, fais-le rentrer. J'ai entendu que tu allais attaquer. Oui. Du volcan? C'est exact. Ça a l'air dangereux. C'est pour ça qu'on le fait. En perturbant les courants aériens, le volcan prive l'énergie de ses meilleures troupes, les unités aériennes. Et la lave tombe de partout, nos troupes aussi seront touchées. Et qu'est-ce que ça signifie pour nous? Toute perte subie est acceptable du moment que c'est pour la victoire. Mais la force ennemie qui attaque sur mon front est... Ah, je vois, tu t'inquiètes pour toi. Tu prétends te soucier du tort de tes hommes alors que tu ne pensais qu'à toi. Non, c'est... Avant de critiquer mes plans, je te conseille de gagner une bataille avec l'ennemi des tiens. La lave va faire un barbecue avec tous ses hommes. L'ennemi prépare une attaque près du volcan. Que veux-tu faire, Eagle? Tu ne peux pas t'approcher par avion. Dans ce cas, nous affronterons l'ennemi sur la terre ferme. Attends, Eagle. Tu sais que tu n'es pas le meilleur sur terre. Laisse-moi m'en occuper. Le combat au sol est ma spécialité. Hé, hey, Jess, arrête Elle est partie. Est-ce qu'elle croit qu'elle peut prendre ses décisions pour qui? Eagle, Jess a raison. Laisse-la régler tout ça. Ouais, je sais qu'elle a raison. Je voulais juste me défouler. Donc on analyse un peu la map. Oui. Ouais, vu le look de la map, c'est très classique. Hein. On a les mêmes fonds. On va falloir construire intelligemment. Ici, il y a deux usines là. C'est de prendre la partie gauche de la map d'abord. Ah. Yes, tu m'entends? Eagle, qu'est-ce qu'il y a? On dirait que la lave tombe selon un schéma bien défini. Si on arrive à le déchiffrer, tu pourrais en tirer un avantage. Ça, c'est de l'info, merci. T'exposes pas inutilement au danger. Bonne chance. Ah oui, ça fait bien quand même. Je suis pas sûr de l'empêcher de pouvoir capturer les bases à droite là. Ouais, mais c'est avec le petit recon là. Pour l'instant, la lave ne m'a pas trop embêté.
C'est bien que la boule de feu lui soit tombée sur la tête. Ça ralentit un petit peu. Ah merde, voilà, par contre c'est mon raccoon qui a pris. On se pourra même affaibli pour être utile pour blesser ses unités. Ah yes, sur son artillerie, ça c'est bon ça. C'est de se préparer une unité très 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 solide, donc on économise encore. On peut sacrifier le VTB là. Plus menaçant en haut qu'en bas, donc on va faire. Ah, je sais pas si on est au tank, on va faire un tank M du coup.
Alors pour l'instant, on a capturé un petit peu plus que lui. Pour l'instant, tout se passe très bien. Décidément, ces artilleries n'aiment pas trop les tirs. Une demi-unité après un tir sur la tête, j'ai l'impression. Ah non, même pas.
j'ai un petit peu l'avance du coup, c'est bon. Ah bien, c'est mon Martial qui a pris. Un petit note, donc ça va faire du bien ça. Du point de vue des utilisateurs de Néotank, je pense que le plus puissant c'est quand même Kanbei, mais Jess doit être en seconde position je pense. Il y a Max aussi, il doit taper bien fort aussi avec des Néotank. Ah bon, je pense qu'on va se remailler autant maintenant.
Bah, j'ai 8 minutes de plus que lui. Ah merde, je l'avance un petit peu trop. Je suis bien avancé, hop. Thank you.
pas très rentable. Pleine puissance. C'est one shot.
Bon, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Ouais. Je vais bloquer une base déjà. Il y a peut-être reconnaître qu'il est un petit peu en train de se faire exploser là. Oh non, j'ai deux drones sur la cible. Ah, l'un de ces drones sur un de mes tankers aussi. Dommage. Et puis de défense, c'est bizarre ça. Je suis en train de passer un super mauvais quart d'heure.
Ah non, ça j'aime pas. Bon, ça va être le dernier ou l'avant-dernier tour là. Ah non, d'abord. C'est vrai que j'utilise son super pouvoir qui est un peu chiant. Heureusement qu'il n'y a pas beaucoup d'unité. Oh, non, celui-ci là, un point de vie. Putain. Ouais, bonjour les gars.
Là, mon but, c'est de poser juste une unité sur ses bases pour qu'il puisse plus produire comme ça. Il peut pas régénérer son armée et finalement, il va finir par se faire avoir à l'usure. Ah bah j'ai gagné. Ah non, merde, il reste l'autre unité en bas. Ah non, j'avais buté, c'est bon. Ok, bon bah, victoire. Ils sont pas très difficiles en effet. Ils sont arrivés jusqu'ici, retirons-nous pour le moment. Dites aux soldats qu'ils ont bien combattu malgré les conditions. Il leur que je suis fier d'eux. Oui, chef. Yes, c'était du beau boulot. Félicite les soldats. Je n'ai fait que les guider. C'est ce que j'allais dire. Eagle, garde tes remarques. Ceci dit, tu n'as pas été nul, Jess. Essaye de continuer dans ce sens, ouais. C'est un demi-compliment qui sort là. Hey, attends un peu, toi, Eagle. Où est-il parti? Jess, crois-le ou non, pour lui, c'est un compliment, ouais. Je sais. Mais je me demandais juste s'il pouvait pas le faire autrement. Bah, c'est le Eagle au bout des noces. Voilà, donc c'était l'avant-dernière mission de la campagne de Green Earth, donc bah, je pense que je vais enregistrer à la suite pour faire la toute dernière mission. Alors, en tout cas, bah, merci beaucoup d'avoir regardé l'épisode. Laissez-moi un pouce bleu, un commentaire, et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, ce serait sympa. Et moi je vous dis à la prochaine pour finaliser enfin cette campagne Green Earth. Allez, salut.